Qu'est-ce que je pourrais vous dire pour vous donner envie de lire ce livre, Petit souper au soleil? Je pourrais vous dire que je l'ai fait avec mes mains, avec mon cœur, avec mes souvenirs, avec quelques-uns de mes reportages, avec des amours, quelques fantômes, mais toujours beaucoup de bonheur. Donc, l'essentiel de ce livre, c'est de vous donner envie de partager des pique-niques, de vous souvenir de vos plus beaux pique-niques d'enfance, de famille, aussi de découvertes et de voyages. Je pourrais vous dire aussi qu'il c'est un beau livre, qu'il est bien illustré par les photographies de Juliette Monnot, et vous pouvez voir à l'intérieur, comme ça, ces grandes pages qui vous présentent le texte. Je pourrais vous dire aussi que c'est à l'édition La Belle Écriture, qui avait déjà fait Petit souper entre amis sur les soupes, et ça, c'était pas rien, 42 auteurs. Là, c'est moi tout seul, mais je vous assure qu'il y a presque autant de richesses. Et là, une des dernières manières dont je peux vous donner envie d'acheter ce livre, qui sera en vente à partir du 4 mai, dans toutes les bonnes librairies et sur Internet, sur Amazon et tout le reste, c'est vous de lire juste un petit extrait. Parce que franchement, toute mon envie, c'est de vous faire partager ça. Les naufrageurs. J'avais étalé la grande nappe rouge et blanche pour marquer notre territoire dans la calanque de la Verrerie à la Madrague de Montredon, celle que les Marseillais appellent chez Dédé, du nom de la pizzeria historique située au bord de l'eau. Nous avons disposé nos assiettes, nos couverts, nos bouteilles, dont le verre captait les derniers rayons de soleil, et un choix gargantuesque de mets simples qui mettaient soleil en bouche. Sylvie avait amené des beignets de fleurs de courgettes, sa sœur des boulettes de menthe parfumées à la menthe, Sophie une salade de poule, son copain un taboulé libanais, Véronique sa célèbre salade de pâtes anchois et pignons, et moi une omelette aux asperges. C'était un festin en l'honneur de Véronique, le temps de dresser notre buffet de plage, et la nuit était tombée. Voilà, la suite vous la lirez tout seul, et j'espère les 40 autres histoires.